Coucou les amis, bienvenue sur Maya Cook. Aujourd'hui, je vous propose une recette de cake au chocolat très facile à réaliser pour les goûters des enfants, pour les anniversaires aussi. C'est parti pour la recette. Alors, pour cette recette, il va nous falloir 5 œufs, 120 ml de lait, 250 g de beurre, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique, 300 g de farine et 5 cuillères à soupe de cacao. Alors pour cette recette, je vais utiliser le robot. Je vais mettre le beurre avec le sucre et le sachet de sucre vanillé. Je vais laisser mélanger quelques minutes. Ensuite, je vais ajouter les œufs un à un en battant entre chaque ajout. Et puis là, je vais ajouter les 300 g de farine avec le cacao et le sachet de levure chimique. Alors un sachet de levure chimique de 10 g. Et je vais ajouter petit à petit le lait. Une fois que c'est bien mélangé, alors on obtient une pâte assez, assez liquide. Donc voilà, là notre appareil à gâteau est terminé. Je vais utiliser un moule à cake avec du papier sulfurisé au fond que j'ai beurré avant de mettre le papier. Puis là, je vais l'enfourner 35 minutes à 180 degrés dans un four déjà chaud. Donc on allume le four avant de commencer la recette. Et puis on vérifie donc avec un cure-dent que ce soit bien cuit à l'intérieur. Alors voilà le cake une fois cuit, je vais le laisser refroidir et je vais passer à la décoration. Alors pour la décoration, moi j'ai choisi de mettre du chocolat au lait fondu au bain-marie, mais vous pouvez le décorer avec du sucre glace ou autre chose, ce que vous voulez. Je termine ma décoration et on revient pour voir ce que ça donne. Alors voilà, une fois terminé mon gâteau au chocolat. Alors moi j'ai mis des petits bonbons
pour le goûter des enfants. Il est vraiment vraiment top ce gâteau, une recette très simple à réaliser, vous pouvez même la faire avec les enfants, c'est ludique et amusant. Et donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, je vous dis à bientôt chez Oumaya Cook pour d'autres recettes. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime pour m'encourager à faire d'autres recettes et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne et prenez soin de vous. Bye.